Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire ce nail art. Donc, pour commencer, j'ai appliqué une couche de base. Donc, c'est le vernis You Don't Know Jack de la marque OPI de Suède. Donc, en fin de compte, au séchage, ça vous donne une base mate. Et par-dessus, j'ai parsemé des petites microbilles. Donc, ce que j'ai fait, j'ai acheté chez Michaels, une boutique qui vient d'ouvrir à côté de chez moi, un kit de 6 petits pots de microbilles. Donc, à l'intérieur, il y avait le champagne, il y avait le argent, il y avait le noir, le cuivre, le clair qui font comme des petites microbilles holographiques et le cuivre antique. Donc moi j'ai utilisé le cuivre antique. Donc comme vous pouvez voir, tous mes doigts sont faits parce que ça a été assez rapide. Donc dans la foulée, j'ai oublié de m'arrêter pour vous montrer. Donc il y a un petit espace sur mon petit doigt, je vais vous montrer comment réaliser. Donc vous allez voir, c'est tout simple. J'ai pris une feuille de papier. J'ai mis du top coat dessus, n'importe lequel, ça n'a aucune importance. Donc voilà, j'ai mis du top coat. Ensuite j'ai pris un dotting tool. Donc j'ai trempé mon dotting tool dans le vernis, dans le top coat, et ensuite j'ai fait des petits points un petit peu partout sur mon doigt. Donc là vous voyez, j'en mets un petit peu pour vous montrer. Ensuite j'ai pris un tout petit récipient en plastique comme ça, j'ai pris mes microbilles cuivre antique. Et vous voyez, je mets mon doigt au-dessus du récipient et je saupoudre. Je tapote un petit peu pour enlever l'excédent. Si jamais il y en a qui sont sur la peau, vous prenez un petit pinceau pour les enlever. Et voilà, les petites billes sont collées. Donc, pour ce nail art, il ne faut pas mettre de top coat. Sinon, ça va vous enlever l'effet mat du vernis que vous avez. Et il faut attendre à peu près une vingtaine de minutes que toutes les petites billes soient bien scellées sur votre ongle. Donc voilà, ce nail art est terminé. J'espère qu'il vous plaira. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.